Bonjour mes tulisseuses, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vais faire tomber ma tasse. On est le jour 9, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà, et j'ai une aidante qui fait semblant de dormir. Hein. J'ai une aidante, vous la voyez pas souvent elle, mais voilà, elle est là. Ah oui, t'es là. Tu vas ouvrir les calendriers avec maman? Oui, tu vas ouvrir les calendriers avec maman. Et coucou. Coucou. Coucou Mariette. Et où Mariette? Elle est peut-être en train de nous regarder. Elle te regardera demain. Enfin, tantôt. Demain. J'ai dit des bêtises. Ce soir, elle regarde la vidéo. Du coup, on va commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Je chope le Harry Potter. Aujourd'hui, vous n'aurez pas le calendrier des bouboules. J'ai ouvert ça hier. Allez voir la vidéo. Si je l'oublie pas, je vous la mets dans le petit i. Du coup, la case 9, elle est juste ici. C'est qui qu'on va avoir? Un marchand vert. Je sais toujours pas qui c'est. C'est qui? Oh, je sais plus son nom à celui-là. Je pense qu'il est même pas vert en plus. Je sais plus son nom. Mais il est quand même un peu mignon. On va dire ça comme ça. On va choper le calendrier numéro 2. Je mets à l'envers. Jack. La case 9. Ah oui, t'es ouverte, la 9. Je chope le petit sachet. Hop. C'est un grand sachet. Regardez ça. C'est un grand personnage. Ça n'a pas l'air pourtant. Je sais pas. C'est zéro. C'est ce que je disais. C'est zéro. On l'a eu en toute pailletée et là on l'a en normal. Ouais. Je sais pas pourquoi il nous remet deux fois la même. Voilà. Une en paillette et l'autre avec son nez de citrouille. Je vous montre tout près. Voilà. Bon. Je suis un peu mitigée pour celui-là. Je pense que à la longue, on les aura tous 10 fois parce que c'est toujours les mêmes personnages. On va continuer avec le Harry Potter. Voilà. La case 9, elle est ici. Hop. Je chope le petit sachet. Je vois un personnage. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois un personnage. Je sais pas c'est qui. Ah, Harry Potter. On l'avait pas encore eu, Harry Potter? J'ai un doute. Avec sa baguette magique. On l'avait pas encore eu? J'ai un doute là. Je vais regarder dans ma boîte secrète. J'ai une boîte où je mets toutes les figurines pour le moment. Voilà. Pas les pertes. J'ai un doute si on l'avait pas eu. Si on l'avait déjà eu, il me semble bien. On avait vu cette version d'Harry Potter. On a 10 fois la même. Il a juste ce qui change. Oui, il est habillé de la même façon. Il a juste l'épée qui change. Là, il y a la baguette. Aujourd'hui, on a la baguette. Et l'autre fois, c'est juste ça qui change. C'est vraiment un peu. Voilà. Je suis pas contente. On souffle le calendrier Pokémon qui nous déçoit de plus en plus. Enfin, hier c'était. Aujourd'hui, je sais pas, lui, il est à quelle couleur. Et là, c'est un. Oh, c'est un. Comment on dit? Un rare. C'est les oiseaux, là. Je sais jamais leur nom. La couleur est un peu ressemblant, mais c'est pas vraiment le top. Choupette, remets-toi là-bas, s'il te plaît. Voilà. Je chope en même temps que je la liquide. Le calendrier. Bon, je vais regarder après la 9. 9, il est juste. Je me prends bazar. 9, il est là. On le retire. Hop. Attention, j'ai le truc. Je ne regarde pas sur le côté. J'ai dit 9. Hop, vous voyez, c'était en dessous. Je sais pas c'est quoi.
Ah, je sais pas c'est quoi. C'est ceci. Voilà. Alors, il est marqué quoi? Gold Grim. Est-ce que c'est un vernis? Oui, c'est un vernis. J'avais hésité avec un vernis. J'ai essayé. Je ne vais pas tomber. Bon, en fait, c'est un vernis transparent. Je ne sais même pas si vous allez voir avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est juste pailleté. Ça n'a pas l'air que vous allez voir. J'essaie de me mettre plus près. Oui, on voit juste un peu les paillettes. Mais il faut que ça sèche. Oui, pourquoi pas. Pour mettre peut-être... ce serait bien pour Noël ou Nouvel An, je sais pas. Peut-être les deux. Je mettrai mon vernis rouge et mettrai ça au-dessus pour faire des paillettes. Pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Et notre dernier paquet. Enfin, calendrier, paquet. Aujourd'hui, c'est une petite bombe. Enfin, une boule de Noël, je ne veux pas. Je chope le petit sachet. Il était pas loin de s'enfuir. En plus. J'ai la boîte qui m'embête. Hop. Le sachet de mini. J'ai mis un. Enfin, de mini. Je sens une oreille. C'est ce que je disais, mini. Pourtant, je me suis pas spoilée, hein. Je ne l'ai pas encore. C'est mini en Noël. Elle est très belle aussi, celle-là. Avec une robe, je pense. Un nœud. Son chapeau. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est mini, quoi. Elle est trop belle, quand même. Mais voilà pour la case 9. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, un petit peu déçue pour Harry Potter et Étrange Noël de Moussey Jack. Parce que j'en ai déjà ouvert la... l'année passée et je pense que ça doit être les mêmes. Du coup, si c'est les mêmes, ben, je les mettrai en vente ou je les donnerai à Petite Mariette si ça l'intéresse. Voilà, il faut que je regarde pour ça parce que voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour la case numéro 10. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain.